Hello tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui sur Hotshot Racing, un jeu édité et développé par Sumo Digital et Curve Digital, sorti le 10 septembre 2020. On est ici sur PC, pour ceux qui connaissent, enfin on va dire que comme exemple ça ressemble beaucoup à Ridge Racer, ceux qui ont connu ce jeu assez mythique de course sur PlayStation. On va dire que ça le même côté rétro, je pense que c'est un peu voulu de ce côté-là. Donc c'est un jeu de course, vous l'aurez compris, style arcade rétro, on va dire qu'il ressemble à Ridge Racer, qui ressemble vachement aux anciens jeux de course, puisqu'il faudra être le plus rapide au niveau des checkpoints pour rester en liste sur la course. On va se faire une petite course, hein, tout simplement, pour vous faire découvrir un peu le jeu. Bon, j'ai fait quelques courses, hein, j'ai quelques... Que tunas, comme on dit dans le jargon, qu'on a pu voir sur l'écran d'accueil. J'avais 21 000 $, je crois. J'ai pas pu pousser le jeu. Je pense qu'on peut acheter sa voiture et la custom, mais j'ai pas cherché plus loin. Je me suis dit, tiens, je vais juste essayer, voir un peu ce que ça donne au niveau des courses. Alors, on peut voir en bas qu'on peut modifier les voitures, sachant que généralement, je prends celle-là, on va dire qu'elle est un peu boosté de tous les côtés, et à mon avis en changeant, voilà, on doit payer. J'ai 21 000 $ à dépenser, pourquoi pas du coup essayer. Je sais pas ce que c'est, dommage parce qu'on sait pas vraiment ce que ça ajoute. Je sais pas si c'est juste de l'esthétique. Ah, ça change pas vraiment. Ah, trop bien. Ah, je peux pas le mettre. C'est un pire. On peut pas modifier en fait la réelle puissance de la voiture. Je pense pas. On va dire le pot d'échappement, je pense pas que ce soit ça qui peut faire en sorte que la voiture aille plus vite. Mais bon. Alors on va rester sur, sur le véhicule normal en automatique. Hein. On va pas non plus passer les vitesses. Mais voilà. Donc. Voilà, comme vous pouvez le voir un peu sur le maintenant le jeu, ça ressemble vachement au jeu Ridge Racer, au niveau surtout de la course, hein, pas au niveau des graphismes. Puisque c'est basé par checkpoint, il faudra être le plus rapide sur le checkpoint pour voir son temps, repasser à 35 secondes si je dis pas de conneries. Et en même temps, savoir gérer les drifts dans la course, et aussi gérer les... Ah, c'est 30 secondes, voilà. Gérer les bots parce que généralement ils vont vous rattraper à 300 km/h. Je pense que c'est le point assez négatif du jeu. L'IA des bots est assez pété, ça gêne vachement dans la course. Regardez quand on me rattrape des fois. Regarde. Je viens de te défoncer. Bon, on a du boost, hein, c'est pas le souci. Je pense qu'ils utilisent leur boost, voilà. Mais moi je mets mon boost, bizarrement, je doute pas à cette allure là. Hein. Ah, bah oui. Ouais, comment je galère à les rattraper. Ils mettent leur boost et ils me rattrapent en 2-2, quoi. Je pense que c'est ça un peu. Il y a une facilité au niveau de l'IA. On va dire que c'est vraiment le gros point négatif. Parce que voilà, je les redouble après comme une fusée. Hein. C'est pas le souci. Mais eux, ils me rattrapent en un coup de boost. C'est ça que je comprends pas. Après, c'est peut-être fait en sorte, vu que je suis en solo, qu'il me rattrape assez facilement pour me donner un peu plus de challenge. Mais c'est un peu pété, quoi. Bon, en tout cas, voilà. Ça me rappelle vachement Ridge Racer. Après, c'est pas non plus le jeu type Ridge Racer. Hein. Faut pas non plus déconner. Dans mes souvenirs, il était bien, Ridge Racer. Mais bon, j'ai peur d'y rejouer et être déçu. Regardez, mais regardez quand il me rattrape. Casto, c'est mon premier. On va essayer quand même de finir premier, hein, c'est très bien. Le problème c'est que le boost il utilise tout d'un coup. Et là j'ai peur... Non, non, ça s'utilise par pas bien en bas à droite, si vous me comprenez. Je pensais que ça utilisait tout d'un coup. Peut-être comme ça qu'il me rattrape vite. Regardez comment il me rattrape, quoi, c'est n'importe quoi. Oh non. Oh, comment perdre comme un teubé. Ah, je suis dégueu, j'ai mal géré mon... Oh, vas-y, on est double.
Oh, j'aurais été premier, ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau, frère. Alors, on va essayer de se balader un peu sur les menus. Pour essayer de découvrir un peu ce qui nous est proposé. Donc, vous avez vu comme quoi c'est assez rapide comme jeu, enfin comme course. Chronomètre en ligne, donc on peut jouer en ligne. Il y a l'atelier. Mais on peut pas changer les performances. Hein. C'est dommage. C'est vraiment l'atelier cosmétique, mais... C'est un peu... Je vais pas dire nul, mais... On aurait pu booster... Booster la voiture, ça aurait été sympa. Après, il est... Peut-être en changeant quelques trucs, ça passe. Hein. Si, par exemple, je mets un aileron, je peux pas. Il faut que je gagne encore... déraper 20 fois, ok. Le pot d'échappement, je peux. 3 000 $, il a augmenté le prix, hein. Je sais pas si vous avez vu. Il était à 2 000 $ tout à l'heure. Quel est cette arnaque? On va essayer de trouver... Allez, vas-y. C'est vrai, j'avais eu des succès. On va essayer de trouver une partie en ligne. Pourquoi pas? Je pense après, il n'y a plus rien de... Non. Donc ça se limite à des courses solo, des grands prix et des parties en ligne. On va essayer de trouver une course rapide. On verra si je trouve des gens. Apparemment, oui. Par contre, honnêtement, ça... ça serait bien qu'ils trouvent des vrais joueurs. Peut-être que je suis tout seul sur, sur le jeu. Yes, bon écoutez, on va se refaire une course. Hein. Après, je peux le BRDG parti, mais voilà. Hein. On va se refaire une course solo. On peut jouer à plusieurs, hein. On peut jouer à 2 joueurs, donc c'est l'écran scindé. Je crois même qu'on pouvait jouer à 4. Policier voleur. Ah, on peut jouer policier voleur. On sous-explose. On va essayer ça, tiens. Par contre, est-ce que je peux pas mettre un autre terrain par hasard? On va essayer de mettre ça. On va essayer ça. On va voir ce que ça donne. Je vais rester avec la voiture là, comme ça je vais débloquer des trucs. Vu qu'il me reste deux drifts à faire. Alors, comment ça se passe? J'ai jamais fait ce mode. Ouais, j'ai vu des flics là. Yes. Ah ouais, ouh, ils sont vénères les flics. Oh my god, c'est pire que Need for Speed. Genre, si j'arrive à détruire les mecs, je gagne de l'argent, c'est ça? Non? Oh! À court d'argent. Oh, j'ai un flic. Ah bah voilà. À mon avis, si je suis dernier, je passe voleur. Ah, mais c'est pété par contre. Ils vont beaucoup plus vite que les coureurs. Allez, bref. Moi, je bloque tout le monde, m'en bat les couilles. Vite. Oh, je bloque la route. Moi j'ai pas de vie au pire, je m'en bats les couilles. Hein. Et quoi? Mais je les double. Mais d'où? Mec, je fonce direct dans lui et... Troisième, récompense 6 000 $. Ok, bah j'ai pas tout compris au truc. Mais on va dire qu'on va réessayer. À mon avis, déjà, d'une part, il faut pas être dernier sur les checkpoints. Et en plus, après, quand t'es flic, faut tous les déglinguer. Ah ouais, mais ils sont vénères. Hein. Ah ouais, j'ai ma vie en haut. Ah ouais, d'accord, tu te prends un mur, t'es dans la merde en fait.
Casse-toi! Ah mais comment ils me foncent dans le derche? J'ai même pas de boost. Cassez-vous! Putain, mais ils sont vénères! Allez, ça a l'air! Mais comment tu veux les esquiver? Sans qu'ils te défoncent? Oh, je suis dans le mal. C'est entre toi et moi. Wow. Oh mais mec. Oh mais mec, comment il défonce. Ok, on va essayer l'autre mode qu'il y a. Je sais plus ce que c'était. Fonce ou explose. À mon avis, là, ça doit être un takedown à la genre burnout. Je pense que ça doit être ça. Ne ralentissez pas ou vous explosez. Ah bah non, encore mieux. Très bien. J'aurais de plus que 91 km/h. Ça va être chaud. Mourez tous. Ah, il est carrément une F1 quoi. Oh, l'anti-jeu. Alors, qui va exploser le premier? Ah d'accord. Oh putain, j'ai pas vu le... Ça avait augmenté la vitesse. Ah déjà, faut que la voiture roule à plus de 120. C'était pas loin. Cent trente, voilà, je vais mourir. Oh, c'est juste. Mais niquez-vous, laissez-moi tranquille. Je suis dans le mal. Ah, je suis dans le gros mal. Ouh, je m'en passais, il me faut de la vie. Oh putain, j'ai explosé. Ah, je suis dégueu. Bah écoutez les gens, abandon, j'ai pas abandonné, mais ma voiture a explosé. Si, du coup, on va se quitter. Du coup, c'était Hot Shot Racing. Si le jeu vous intéresse, il est dispo sur Steam. Je mettrai les liens, comme d'habitude, soit vers Gamesplay ou HRK, si ils le vendent, bien entendu, parce que sinon, ça servira à rien. Dans tous les cas, même si vous voulez faire un tour sur Gamesplay ou HRK, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre Twitter, Facebook, Instagram, Discord, sur Twitch également. Vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, ainsi que YouTube. Et vous savez si ça vous intéresse, hein, forcément, je pense personne. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.